Hein? Qu'est-ce que je vous disais? Il n'y en aura plus de branches d'olivier. Il ne changera jamais. Hé, hey, Olivier, fais ça vite. Ce soir, on a du pain sur la branche. La planche, la planche. Comme dirait notre boss, place à la cinquantivité. Oui. À Montréal, le 31 décembre, est en train de décéder l'année 1970. Porteront la dépouille mortelle, mesdames, Louise Latraverse, Françoise Lemieux, Louise Forestier, messieurs Denis Drouin et Olivier Dumont. Les toasts de l'oraison funèbre sont signés Gilles Richer et le cortège est dirigé par Jean Bissonnette. Parents et amis sont fortement priés d'y assister. À la presse, qu'être comme Ryan un faux frère au devoir. Dis donc, Robert, est-ce que tu penses que tu vas gagner tes élections? Ben, si ton père me lâche pas, je suis sûr de gagner. Parce que il reste encore un mois avant le 29 avril. Ah ouais. Hey, papa, si t'es élu premier ministre, tu vas me trouver un job pour les vacances. Ben, hey, oui. Papa, il y a le père de mon ami qui travaille actuellement, papa. Ben, papa, il y a Marc aussi, mon ami, qui revient. Ben oui, Robert, ça me fait penser. Arthur a téléphoné ce matin. Puis Armand. Ben, vraiment... oui, une minute, ça tient, arrêtez. Ça va m'en prendre 100 000 jobs. Ah, tu sais, je viens de trouver mon slogan. Finissez votre soupe, les enfants. Pas pareil, en couleur. Nous avons décidé de faire un film canadien avec le comte de Blanche-Neige. Acceptez-vous le rôle de Blanche-Neige? Oh, oui, j'accepte. Enfin, je vais pouvoir jouer un rôle propre. Non, non, pas si vite. Qu'est-ce que vous pensez que Blanche-Neige faisait à longueur de journée avec sept tinets? Bye, 70, bye. Ciao, surtout ne reviens pas. On charge le bon Dieu des écoles et on entre le sexe. J'avais entendu parler de ça, c'est même dans le journal. Il paraît qu'ils font des parties maintenant, tard le soir. Des jeunes gens et des jeunes filles dans la même piscine. Et puis il paraît qu'ils ne sont pas habillés avec des côtes de poêle, mais ils sont pas. C'est au vrai le vrai. 30 minutes avant que ça finisse. 30 minutes moins 4, il en reste plus rien. 26. Avez-vous su que Paolo Noël a été nommé le meilleur acteur de cinéma canadien? Pas surprenant qu'on fasse rien des films de... Bye, 70, bye, bye. Ciao, salut, bon.
Mon nom est Thérèse Lemay, je suis séquenciste. Mon nom est Claude Joron et je suis péquiste. Mon nom est Claire Kirkland-Cassegrain, je suis ministre. Mon nom est Claude Wagner, puis je suis un beau torvis. Et Louise, que je suis donc heureux. Pense-y donc, dans 25 minutes, l'année 1970, ça va être terminé. Tout ce que j'ai fait en 1970, je peux tout laisser ça en arrière. Chanceux, Denis. Voilà. Mon Dieu, que t'es donc chanceux. Je peux pas faire ça, moi. Pourquoi? Je suis obligée de finir en 71, ce que j'ai commencé en 70. Le mariage des prêtres. L'Église en parle beaucoup. Ne dites pas ça, sœur Mathilde. Je sais de source sûre que dans 2 ans, ce sera chose faite. Et après une dure journée de labeur, tous les curés retourneront auprès de leurs épouses, comme tous les maris de la chrétienté. Oh, oh. Youhou! Maudite journée, va! Saudite journée. Oh, non. Sans présent, je ne prendrai pas. Oh, non. Ça, c'est mon voyage. Des grenouilles dans le bénitier, puis des péchés véniels. Oui, vont s'arrêter de me dire, me confesser, de dire le petit péché véniel. Oh, je le prendrai plus, c'est tout ça. Ce qui est ma femme, non. Allez, allez, ça m'est une numéro de domicilio. Père, ouais. D'abord, ça, t'es en retard, hein? Comment ça, en retard? T'as pas eu la journée que j'ai eue, ma fille? Ah, oh, j'ai jamais vu ça, toi. La confesse est en ligne jusqu'à l'autre coin de rue. Bon, ça, j'ai obligé de donner 2 dizaines de chapelets à petite Lucie Gaston-Gay. Seulement 2 dizaines après tout ce qu'elle a fait? La paroisse en parle. La paroisse en parle. Ça te regarde pas, ça? Puis commence pas ça, hein? C'est moi qui donne les pénitences. La paroisse, oh, mais c'est son chum, elle. Alors, lui, par exemple, il se pointe dans mon confessionnal. Lui va payer pour les autres, c'est garanti. Allô, qu'est-ce que t'as? C'est toi, là, toujours, je venais de toi, hein? Allô? Oui? Bon, ben, dites 2 dizaines de chapelets. Si t'as envie de mourir, ben, j'attends la demain matin, c'est quoi, c'est ça? Hein? Vous finir comme sœur sourire. Mon Dieu, que t'es donc ancien, Olivier, que t'es donc ancien. Ancien. Ah, oh, ancien. Hein? Tu pleureras quand ça te prend notre fille à fumer de l'encens. Ça m'a l'air bête aujourd'hui dans le dictat, oui. Olivier. Quoi? Non, jamais, pendant le carême, tu le sais. Olivier, écoute-moi. Olivier, aujourd'hui, on a chanté notre vie. Ouais. Oui? Qu'est-ce que tu dirais de devenir directeur du sanctuaire de Saint-Éphrem? Ben, ça, tu sais, Saint-Éphrem, pas la grosse paroisse, avec les souvenirs, oui. Les miracles, oui. La grosse patente. Oui, c'est un gros trip, notre revenu rien que d'un 5 coups. Non, tu vas... Voyons, attends, c'est pas trop une trop business, grosse business pour moi, ça va y en m'énerve pour rien. Fini les quêtes de 143 pièces, Olivier. Avec Saint-Éphrem, ça va aller chercher dans les 12 à 13, 1400 $ par semaine. C'est pas sérieux, c'est sérieux. 1400 $ par semaine. Oh non. Ah, voyons donc, tu sais pas qu'on l'attrape, ça, mais ça... Mais oui, tu vas l'avoir. Ne faut pas. Hey, écoute, j'ai invité l'évêque Denis Bernard et sa femme à souper. Et t'as pas été à cette école avec lui pour rien, hein? J'ai déjà commencé à leur en parler. D'ailleurs... Denis et oui, ils sont en train de visiter la maison. Oh, cher Denis, mon dame, nous sommes plus qu'on m'a construit. Oh, tu finis par la terre, c'est bien, tu dis là. Hey, tiens, Olivier, je t'ai acheté un beau clergyman. Va te changer, OK? Moi, clergyman? Jamais. Mon Dieu, que t'es donc ancien. C'est pour ça que tes affaires marchent pas dans la vie, hein? T'es toujours poigné dans les vieilles affaires. Penses-tu que l'évêque va nommer Kitten en charge sacrée? Kitten? Bon, tiens, va te changer, ça va être correct, OK? Bon. Cher Denis, donc, mais non, c'est pas plus que je vous avez fait le coup?
C'est mignon. Cela nous rappelle notre premier fini. Denis est encore d'hier. Ah, mon Dieu, que c'est loin tout ça. Assoyez-vous. Merci. Olivier se joint à nous dans quelques instants. Ah, bon. Il est allé préparer les hors d'œuvre. Ah. Olivier, ça vient, les hors d'œuvre. Comment? Tu es obligé de préparer les hors d'œuvre pour ça? Affaire, Olivier. Toujours aussi jeune, aussi gay, aussi à la mode. Avec Olivier, vous auriez un prêtre d'avant-garde pour votre sanctuaire. Non, au contraire, non, pour le sanctuaire Saint-Éphraïm, ça me prend plutôt un prêtre de la vieille école. Ah non, Denis, non, je vous dis. Ben oui, mais 96 boutons, c'est... Pas de question, merci. C'est bien toi, ça, Denis, tu veux toujours revenir aux anciennes affaires. Mais voyons, il te faut un prêtre moderne. Ah bien, y penser, ma femme, je crois que tu as raison. Ah non, Denis, non, non, non. Écoute, allez. Laissez faire, je vais répondre, j'ai laissé mon numéro. Allô? C'est qui était, là, quand on avait inventé le zipper? C'était mon secrétaire. Le pape fait dire d'y aller doucement avec la modernisation. Allô, mais simplement, les évêques canadiens disent qu'il faut savoir interpréter la pensée du pape. Olivier! Olivier, viens montrer ton beau clergé, madame Monseigneur! Mais le pape est quand même le chef. Mais les évêques canadiens doivent être entendus. D'autre part, oh, cependant, bref, Olivier, je pense que tu es le gars tout trouvé pour le sanctuaire de Saint-Éphraïm. Acceptes-tu? Ben, c'est pas moi. Il accepte, il accepte. Oui, j'accepte? Oui, ça. Ben, oh, la grosse paroisse? Oui, oui. Saint-Éphraïm? Oui. Oh, mes félicitations. Merci. Puis, bonjour. C'est quoi? Mais c'est moi, ça, tu es voilà. Mais un petit détail, Olivier. C'est que le Vatican vient d'annoncer que Saint-Éphraïm n'a jamais existé. Good! Adieu. Hein? Non, plus de médailles, plus de souvenirs, plus de restaurants. Non, il s'agit simplement pour toi de transformer le sanctuaire en monastère. En monarchie? C'est un peu. Tu papier de médaille? Non. Souvenir? Le stade? Non. Hot dog? Non. Miracle? Non, non, non. Mais non. Il y a qu'une. Question. Ah, ben, écoute donc. Non, après tout. Ma femme puis moi, on va aller retrouver le cardinal Léger en Afrique. C'est pour bientôt les grèves du cerveau. Oui, nous avons même une liste d'attente. Jean Marchand, Manolisco, Jean-Jacques Bertrand. Si jamais Réal Caouette se présente, faites-le passer le premier, s'il vous plaît. Hein? Olivier, quoi? C'est-tu la dernière? Non. Ils ont greffé le cœur d'un père de 12 enfants sur Henri Norbert. Oui, puis Henri se porte bien? Il est en train de devenir fou, il ne sait plus de quel bord aller. Olivier, c'est-tu à dormir? Non. Ils ont greffé les seins de Mme Godesmith sur Twiggy. Puis, qu'est-ce que ça a donné? Ben, Twiggy marche à quatre pattes. Hé, Olivier! Quoi? Es-tu courant de la dernière? Non. Ben, ils ont greffé une cervelle d'oiseau sur le corps de Juliette Huot. Puis, qu'est-ce que ça a donné? Les paillettes. Oliver! Thibault, Louis! Es-tu au courant de la dernière? Non. Ils ont greffé une cervelle d'oiseau sur le corps de Réal Giguère. Puis qu'est-ce que ça a donné? Réal Giguère! Denis! Oui? C'est-tu la dernière? Non. Ni moi non plus. Hein? Ben, fallait que ça finisse en quelque part, hein? Allô, chef? Oui, ici, Caporal Olivier. Oui, oui, je suis toujours à Westmont. Oui, devant la maison de M. Thompson. Oui, chef. Dis-donc, chef, pourriez-vous, il est minuit moins cinq, là, à minuit, pourriez-vous appeler ma femme et lui souhaiter la bonne année, s'il vous plaît? Et aux petits aussi, hein? Merci, chef. Merci.
it's snowing, eh? It's a whoop. in May, eh? Come back inside. No, it's really no. cold. No, you go back inside. Yeah. I want to chat with him. With him? Yeah. Hey, est-ce que je pourrais t'offrir une verre? Non, merci. Juste un tout petit peu. Merci beaucoup. Pour fêter la New Year. Non, mais... Pour la nouvelle année? That's my boy. Merci, Monsieur Thompson. Chef. Oh, yes, you better shut it out. Hey? You better shut it out. Louis. Shut it out. Why? Go around here, Miss Bunny. Oh, hey, full of snow. Thank you. Thank you. Some ice, some snow into it, there. You. Oh, that's good stuff, isn't it? Hey, from Scotland. Yeah. Merci beaucoup. Bienvenue. Et que c'est donc beau la nuit de la journée. Il y a tellement de fun partout, hein? Oui, vous avez raison. Il y a de fun partout, M. Thompson. D'où est-ce que tu viens, toi? Ouais, je viens de Saint-Henri. Saint-Henry. Wow. Oh, yes, I just never been there, but I heard about Saint-Henri, oui. Yeah, where is it exactly? Ben, juste en bas, là. En bas, là. Je viens direct en bas. Oh, right. Où, là? Oh, yes, right down there. Ouais, où il n'y a pas de lumière, là. C'est coin noir, là. Saint-Henri. Saint-Henri. Tu sais, Saint-Henri? Oui. Qui était gardien à Westmount? Oui. Je suis rentré dans l'armée pour voyager. Encore un petit verre à la santé de Saint-Henri. Oh, je vois. Ah, oui, d'accord. Ah, merci. Bah, j'ai une fois. Oh, avec la glace, putain. Tu as tout l'affaire. Je suis trompé de trou. Oh! Good. Ouais, c'est Harry. C'est Harry. Oh! Ouais, un petit verre à la salle de Westmount. Westmount. Forgot Westmount. Thank you. Yeah, you're welcome. Oh, yeah, that's... Country Bill. Country Bill, yeah. That's it. Ah, mon Dieu, Seigneur, que j'aime donc la c'est donc beau, la ville. C'est donc beau. Oui, la vue d'ici, c'est vrai, d'ici, là, c'est très, très beau. J'aime donc toute la belle province de Québec. Je me sens à home, chez nous. Oui. Oh, un petit verre à la... À la santé de votre province, sure, Monsieur Thompson. Certainly. Oh, la dernière est en haut. Oh, Dave, what's that? Fire. No. Minuit. Oh, minuit. Oui, bonne année. Same to you. Et je souhaite que l'année 71 soit une bonne année pour vous autres, Monsieur Thompson. Well, moi aussi. J'espère que l'année 71... Ça va être une bonne année pour vous deux. Well, maintenant, my man, I think que je pense qu'il va se retourner en dedans. Eh? OK, go ahead. No, wait one minute. Laissez-moi vous aider. Slippery. Eh? Laissez-moi vous aider, yeah, Monsieur Thompson. Yeah. Attention, parce que si je tombe là, yeah, vous allez tomber vous aussi. Vous l'avez su cette année, Zom, hein? C'est cette année que vous l'avez su, hein, pour la passer. Cette année que vous l'avez su, hein? Vous, ma féministe, vous l'avez pas envoyé dire, hein? Dorénavant, les femmes vont faire tous les jobs des hommes.
vais vous voir. Mon petit, allez vous asseoir, s'il vous plaît. Je demeure votre distingué serviteur. Et... Allô, chérie. Bonjour, mon amour. C'est pas tout, hein? C'est donc pas tout. Vous les sortez, là? On va mener autant que les hommes. Hello, George. Comment ça va, man? Oh, ben, tu travailles au bureau. Ça marche-tu toujours ce soir? Ah, good. Dis donc, t'aimes-tu mieux des fleurs ou du chocolat? Tu danses très, très bien, George. Merci. Oh, à propos, restes-tu toujours chez tes parents ou t'habites en appartement? Mais, c'est pas par là que je reste. C'est une panne d'essence. Oh, non. T'inquiète pas, George. Je vais t'aider à payer la moitié des dépenses. Écoutez, je peux pas devenir des journalistes indéfiniment. Why, certainly, my little chicken. Little Pauline. Yes, je disais que moi, en 70, je suis parti trois fois. Trois fois? Yes, three times, yes. Une fois pour le municipal, une fois pour le provincial, et... La troisième. Oh, ben, tout le monde sait que je suis toujours un peu parti, Osaka, pardon, mais nos femmes adorent picoter. On lave le petit japonais, très très indigné. On lave le petit japonais. Très, très enragé. On a lave le petit japonais très, très choqué. Choqué! Mais pourquoi? On a lave le petit japonais en maudit d'avoir manqué Expo 67. Bye, 70, bye. 4 minutes, tu vas sauter. Bye, mon, c'est la fin de ta belle histoire. Bye, mon clé Basile, tout ce mémoire. Bye, mon chapelet, à tous les soirs. Ça serait-il qu'il y a des athées? Cassé, cassé. Les couche-tards aussi sont disparus. Mais Jacques Normand est toujours avec nous, le même jour, à la même heure, avec Pierre, Jean, Jacques. Pourquoi vous me criez des noms? J'ai rien fait, moi. Bye, bye, 70, bye, bye. 3 minutes,
Canadiens sont partis. Sont partis pour la gloire. Les Canadiens aussi. Partis pour la victoire. Pour la finale, pour le grand jour, ils étaient partis tout court. Dis donc, Jean Béliveau, comment se fait-il que les Canadiens ont terminé la saison en cinquième position? Ben, je ne sais pas. Ça a été une saison comme d'habitude. D'abord, je me levais tous les matins bien au chaud grâce à mon système de chauffage confortable et sûr. Et puis, je partais pour le forum dans mon auto imbattable à des prix économiques. Et puis, en passant, j'arrêtais prendre John Ferguson et Jacques Laperrière que je sortais de leurs draps en fleurs. Et puis, nous arrêtions prendre Cournoyer qui finissait de se peigner avec ce qui n'est pas de la graisse. Et nous arrêtions à mon bureau pour que je puisse causer avec mon agent d'assurance vie. Mais dis-moi, Jean Béliveau, est-ce que c'est possible que ce soit les commerciaux qui aient nué à votre rendement? Quels commerciaux? On est revenu. Je suis revenu. J'ai essayé de revenir. Yes.
Mise en scène, si j'étais bonne. Non, 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 c'est grâce à ton talent. Merci beaucoup. Hein, il y a quelqu'un qui dit c'est moi. Bon, maintenant, tout le monde en place pour la scène de lit numéro 9. Claquette, s'il vous plaît. Phil, mon amour, je t'aime nu, scène 9. Bon. On sait qu'il est passé notre vedette masculine encore. Olivier! Olivier, hein? Olivier, ah, oui. C'est déjà mon tour? Olivier, Olivier, veux-tu venir ici? Denis, oui. J'ai peur. Non, non, hey, non. Je suis gêné. Olivier, voyons, une petite scène d'amour, ça va m'attuer personne. Denis, je suis pas capable. Oh, Olivier, veux-tu venir ici? J'espère que t'es déshabillé au moins. Hein? C'est pas ça de difficulté. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai gardé mes bas. Denis, j'ai jamais fait ça. Ben oui, à ton âge, j'ai pas fait ça. Louise? Oh, mon Dieu. Hey, où est-elle, Louise? Denis, oui. J'ai lu la scène et puis il y a des affaires là-dedans que j'ai jamais fait de ma vie. Même pas dans mes rêves. Tu vois que c'est pas difficile, voyons. Oh. Ah, c'est le talent. Oh. Mais c'est pas le talent qui manque. Ben, qu'est-ce que c'est? Louise, mais où est Louise? Pas de cause à part. Laisse-moi tranquille. Louise, ah, bon. Mais t'es pas encore déshabillé. Ah, je vais y aller. Non, 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 reste ici, on n'a pas de temps à perdre. Correct, mais déshabille-toi ici. Tout le monde dort. Ouais. Louise, déshabille-toi ici, elle va te déshabiller. Mais veux-tu m'arrêter ça? Oui, mais c'est pas ça. Denis! Oui! Son chandail! Eh oui! Elle a enlevé son chandail! Oui, oui! C'est oui, comment? Oui, on dépêche! Oui, c'est ça, vous dépêchez! Oui, veux-tu pas t'énerver? Ben non, je suis pas énervé, j'essaie de rester calme autant que possible. Mais Denis, comment tu fais pour rester là-dedans en tournée longue? Je me force, lui. Oui, ça me force. Oh, tu dois, docteur. Denis, oui. Ça continue à être tenu. Je te dis, mais... Reste calme et concentre-toi sur ton rôle. Je sais pas, qui a ouvert le coffre à Diane? Dis-moi, mon Dieu, Denis. Ben oui, oui. Ben oui, ça y est, hein. Je vais pas mourir. Hé, tenu, peux-tu prendre ta place dans le lit, Elie? On peut mettre ça de main. Oui, viens, tout le feu. Mais voyons, toi. Mais non, tu me décides, toi. Donc, fais petit, celui-là. Ben, mon Dieu, t'as de la place. Rapproche-toi d'elle. Rapproche-toi d'elle. Puis, pas sur le bord comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait que c'est là? Bien, bien, bien. Et puis, oh, moi. Bon, maintenant, là, la caméra. Hey, une minute, Olivier. Wow! Oh, des moteurs, Olivier! Calme-toi, pas si vite, Olivier, on est pas prêts, nous autres. Énorme! J'essaye d'enlever ma robe de chambre. Ça, Seigneur. Bon, enlève-la, ta robe de chambre. Oui. On y aille. OK. Ben,
OK, ça va, là? Oui. Bon. J'ai trouvé une note. Filme, mon amour, je t'aime nu, c'est neuf. Qu'est-ce que je fais? Caméra. Ça roule. Bon. Action. Hein? Action. J'ai dit action, Olivier. Olivier, voyons, Olivier, t'es capable, Olivier. Baisse la main, Olivier. Non, 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 la main, la main. Baisse la main. Non, c'est ça. Denis, oui, Denis. Je n'ai pas appelé ça au conservatoire. Mais... oui, mais là, la fin peu, là. Hein? Oui, arrête de rouler, puis branche-toi. Olivier, mets la jambe gauche par-dessus. Non, non, l'autre gauche, Olivier. Olivier, t'es tout mélangé, tu te trompes de scène, Olivier. Et c'est pas ce bout-là, c'est l'autre bout. Oh, excuse-moi. Ben oui. Ah oui. Ah. Vas-y, vas-y, Olivier, vas-y. La hanche, Olivier. La hanche. Non, non, pas ça, j'ai dit la hanche. La hanche. Ben oui, mais c'est en travaillant qu'on apprend. Continue. Ah, ça va pour moi. Des becs, maintenant. Des becs. Des becs. Bécote-la, mon Dieu, bécote-la. Non, 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 énerve-toi pas, Olivier. Olivier, pas si vite, Olivier. Olivier, tu te feras pas jusqu'au bout. J'ai au moins une minute et demie. Tranquillement, Olivier. Bon, là, non, 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 là, tu le calmes, puis bon, c'est ça. Là, t'as le bon récord. Bon, ah, c'est terminé. Hein? Mais c'est terminé, Olivier. On va prendre un retake. Non, non. Un retake? Non, oui. Non, 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 pas de retake. Pour l'éclairage? Non, l'éclairage. Les caméras? C'est parfait. Oh, non, 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 non. Ah, oui. Ah, on va prendre un retake. Elle n'est même plus capable de parler. Non, 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 pas de retake. Il faut que tu te c'est poses. C'est pour ça? Non, il est pas on va parler. Non, reste ici. Il faut que tu te poses pour les autres scènes. J'en donne pas, mon petit garçon. Je ne sais. Ben oui, mais pose-toi. Non, viens ici. Viens ici. Dans quelques instants, le week-end de nos 50 ans se poursuit avec Jacques Boulanger, qui accueille Jean Duceppe à Superstar.